Le World Travel Market de Londres 2024 a été marqué par une grande participation du Maroc, mettant en avant son positionnement comme leader touristique en Afrique du Nord. À l'inverse, l'Algérie s'est illustrée par une présence jugée très timide, attirant les moqueries sur les réseaux sociaux, notamment à cause de son stand modeste qui a fait le tour des commentaires ironiques en ligne. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un espace vide et peu engageant, attirant des commentaires sarcastiques de la part des internautes. Aucun message fort ou campagne promotionnelle notable n'a accompagné la présence algérienne, donnant l'impression d'une absence de véritable ambition pour se positionner sur le marché touristique mondial. Le Maroc, fidèle à son ambition de figurer parmi les grandes destinations touristiques mondiales, a déployé des efforts considérables pour faire de sa participation un succès retentissant. De nombreux internautes n'ont pas manqué de comparer la dynamique marocaine à la passivité algérienne, soulignant l'écart grandissant entre les deux pays dans ce domaine. Les internautes marocains ont salué la qualité du stand et l'effort déployé pour représenter le pays avec éclat. À l'inverse, les photos du stand algérien, dépourvues de contenu attractif, ont alimenté des critiques ironiques, certains allant jusqu'à qualifier la participation de « tourisme fantôme ».